Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une collection que j'adore, la Always Together. C'est une des premières collections de chez Craft O'Clock et elle est vraiment très jolie, elle a très bien vieilli. Tout d'abord, sur la page de couverture, à l'arrière, vous allez retrouver des images à découper. Donc les fleurs sont vraiment très jolies, en particulier cette rose. Et les petites cages sont vraiment sympathiques aussi. C'est parti pour les papiers. Donc vous allez les remarquer, ça se présente de la même manière que la Morning Dreams, avec des fleurs sur les côtés, en haut, en bas, dans les coins. Mais vous allez voir que ces papiers sont quand même faciles à utiliser, parce que les illustrations ne sont pas en plein milieu. Donc c'est très facile de les découper et de les utiliser selon le format dont vous avez besoin. Donc il y a des fonds bois, des fonds gris, et à chaque fois que vous avez un joli papier, à l'arrière vous avez un fond très neutre qui peut servir aussi d'emplacement photo quand on a encore quelques chutes. Toujours une feuille de carte à découper, qui reprennent les mêmes illustrations que la collection, et qui sont recto verso. Elle existe également en 15-15. C'est un très gros bloc. Alors, à l'arrière de des deux premières pages, vous allez pouvoir retrouver soit une image de fond, soit des images à découper, puisqu'elles sont assez grosses. On retrouve les mêmes papiers que la collection, et bien sûr des ajouts, des cadres, mais aussi des couronnes à découper. D'autres papiers illustrés, ici des bandes de dentelle. Un autre papier à ligne. Et nous allons encore retrouver des images à découper, avec des petites banderoles et à nouveau des petites cages. Enfin, dans cette collection, vous allez retrouver aussi des petites cartes. Et cette collection, elle a été pensée pour être polyvalente. Elle peut être utilisée pour tout type d'album, mais aussi pour des albums de mariage. C'est pour ça que vous allez retrouver des illustrations uniquement dans les pages 15-15, vraiment typiques des mariages, avec les pièces montées, les petites flûtes à champagne. Et puis, sur toutes ces petites cartes, vous allez retrouver des sentiments et des expressions. D'ailleurs, vous allez retrouver deux pages de sentiments et d'expressions assez longs, même parfois, qui peuvent être vraiment très jolies sur un album. Avec cette collection, vous allez retrouver un kit d'images à découper. Alors, c'est un kit qui peut servir pour différentes collections. Il va servir pour celle-ci, pour la Always Together. Alors, ces images-là, par exemple, correspondent à la Celebrate Today, et celle-ci à la Ladies and Gentlemen et à la Garden's Moon. Donc en fait, c'est vraiment un kit d'images qui va servir à plusieurs collections, qui est très polyvalent. Vous allez retrouver les petits napperons. Alors ces petits napperons sont vraiment propres à Craft O'Clock. Vous allez les trouver déclinés dans toutes les collections. Et des petits tags qui sont aussi bien utiles et bien sympathiques. Il reste encore à vous montrer la planche de die cut. Donc ils sont sécables, donc on n'a pas besoin de les découper, ce qui est un petit gain de temps. Et vous allez retrouver les illustrations de la collection, avec certaines illustrations encore typées mariage, comme les flûtes, la pièce montée ou l'alliance. Et bien voilà, c'est terminé pour cette collection, mais j'espère qu'elle vous plaira. À bientôt !